Bonjour, comment allez-vous? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un partenariat avec Pandahall. Du moins, je suppose que c'est eux. Parce que, comme d'habitude, il n'y a rien écrit sur l'enveloppe. Mais j'attendais rien de particulier à part Pandahall et Craspire. Donc, je suppose que c'est Pandahall. Ça a été plutôt. Il y a écrit que ça a été expédié le 24 février et on est le 7 mars. Ça a été plutôt rapide. Surtout que je l'ai trouvé hier soir, donc dimanche soir, devant ma porte. J'ai pas compris encore une fois. Je comprends pas ces colis qui sont posés devant ma porte comme ça, le dimanche en plus. Donc bref, au moins il est chez moi, quoi. Bon, je sais pas si c'est eux. Alors pour commencer, on va aller faire un tour sur la boutique, comme d'habitude. Et nous voici donc sur la boutique Panda Hall. Donc Panda Hall Select. Je crois qu'il y a deux boutiques qui existent, hein, parce que même là, ça me met retour à la page d'accueil de Panda Hall. Donc si je retourne là. Voilà, donc là j'obtiens celle-ci. Alors quelle est la différence? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Est-ce que ça c'est les produits sélectionnés par Panda Hall pour. Je ne sais pas. En tout cas, moi c'est ici que j'ai choisi mes. Produit, donc dans celui-ci qui est en orange, donc je peux pas vous dire quelle est la différence réellement entre les deux, mais moi je crois que c'est pareil. Hein. Par contre, alors il n'y a pas de page d'accueil, si, voilà. Donc la page d'accueil, et là voici. Donc vous avez les produits populaires, les meilleures ventes, les marques recommandées parce que il y a plusieurs marques. En fait, c'est un gros skis, donc il y a la marque Panda Hall, hein, leur propre marque. Et les autres marques telles que Craspire, bon bah, enfin je vous cite des marques qu'on connaît vraiment parce que là, celles-ci, je les connais pas. Mais celles que nous on a l'habitude d'utiliser, c'est Craspire, c'est Globeland, c'est Babycraft, etc. Donc on les retrouve également sur ce site. Hein. D'ailleurs, les produits Panda, on les retrouve également sur leur site. Et donc voilà, là vous avez tout ce qui est en promo. Et donc, c'est ça que c'est un gros cycliste, hein, mais qui vend à l'unité également, ou en lot. Donc, vous avez toujours la possibilité de faire les deux. Au niveau des paniers, je me demande. On va faire un truc alors. On va aller dans les promotions. Je vais juste vérifier. Voilà. Donc, là, vous avez des tampons par exemple, 60 centimes. Franchement, c'est vraiment pas cher. Sachez qu'il y a des frais d'envoi, et c'est ça que je voudrais vérifier. Parce que il me semble, voilà, que vous avez. Oula! Ah oui! Non, là, d'accord. Il y a eu un moment où il me semblait qu'il y avait écrit voilà, livraison gratuite à partir de 25 $. Bon, bah maintenant, c'est à partir de 200 $. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup quand même, là. Donc, avec un poids inférieur à 5 kilos. Donc. Pour obtenir la livraison gratuite. Alors, je vois pas comment on peut avoir 200 € d'achat, mais 5 kilos, enfin moins de 5 kilos pour 200 € d'achat. Non. Bref. Donc, les frais de livraison, donc là il y a écrit estimé à 2,92. Bon, après il n'y a qu'un produit là, hein, donc voilà. Donc c'est noté, mais il y a aussi. La TVA qui s'ajoute ici, 20%. Donc au moins, vous avez tout qui est noté dès le début. Donc là, c'est estimé parce que c'est normalement c'est directement en France. Donc ça va, c'est directement estimé pour la France. Et puis vous avez différents types de. Faut choisir en fait. Hein. Donc là, c'est le moins cher. Mais retirer le colis soi-même en Chine. Écoutez, pourquoi pas se sur place. Mais ouais, non, il y en a. Ah non, il y a encore moins cher ici. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Je ne sais pas. Mais voilà, donc vous avez différents de possibilités. Et le mieux, c'est quand même de choisir en fonction enfin, prendre peut-être les frais les moins chers. Je ne connais pas du tout celui-là. Bon, celui qui est recommandé, c'est celui-ci pour quelques centimes de plus. Voilà. Bon, après, il faut voir. Donc là, par contre, 200 € d'achat, c'est peut-être un peu trop. Est-ce qu'il y a une erreur? Je ne sais pas. Mais... Donc voici pour le site Panda Hall. Donc vraiment, vous avez de tout. Alors vraiment de tout, tout, tout pour le scrap, pour la couture, pour la création de bijoux. Surtout pour la création de bijoux, je dirais. Il y a vraiment, vraiment, là, vous avez le choix. Alors là, je ne connais pas cette marque. On va voir, on va jeter un coup d'œil.
Vous voyez, pour tout ce que, qui sont créateurs de bijoux, ou que voilà, pour le, même pour le scrap, on fait des petits bijoux d'album, etc. Mais vous voyez, vous avez de quoi faire vraiment des bijoux, aussi boucles d'oreilles, etc. Et ça, c'est top. Vous avez aussi de quoi faire de la résine. Vous avez, voilà, vous avez vraiment, vraiment de quoi faire plein, plein de choses. Vous avez également tout ce qui est boîte. Alors, bon, là, c'est pas en catégorie. Mais par exemple, il y a bureau et maison et jardin. Alors celui-là, je crois que c'est nouveau. Mais tout ce qui est boîte de rangement, ça, c'est bien aussi. Je me souviens plus, c'est dans outils et emballage, il me semble. Et vous avez différents stockages. Donc, par exemple, vous avez cette petite. Alors là, vous avez les petites boîtes que. Enfin, les petits pots en verre que j'aime beaucoup. Alors là, il y a écrit un kit pour 3 euros. Le kit comprend 10 bouteilles. Ouais, c'est ça, 10 bouteilles. Et par exemple, moi, c'est dans ce style de bouteille que j'achète sur chez Action avec des pinces dedans. Et dedans, je range, en fait, je retire les pinces et j'utilise donc les bouteilles pour mettre mes cires, pour cacher de cire. Vous pouvez y mettre toute autre chose, hein, toutes les des petites perles, enfin, les petits trucs que vous avez, etc. Ici, vous avez, alors ceux-là m'ont l'air assez gros, mais vous savez, vous avez ces petites bouteilles là, comme ça, dans lesquelles on met aussi, on fait aussi du scrap, les petites boîtes de rangement comme ça pour mettre les découpes ou les petits accessoires, etc. C'est vraiment top. Et évidemment, il y a plein de tout ce qui est sac, tout ce qui est voilà, pochon, etc. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, pour ça, et en plus, moi qui en ai déjà pris des boîtes, hein, je les ai déjà présentées. Franchement, c'est top pour ranger, même là pour ranger par exemple tout ce qui est diamond painting, etc. Donc là, vous avez des petits pots. Vous voyez ces petits pots, on en fait quand on fait des embellissements, quand on envoie des petits embellissements comme ça, parfois on met dans des petits pots comme ça. Donc ça, c'est vraiment pas mal. 5,58 €, il y a 12 pièces, 50 millilitres, peut-être 50 millilitres, c'est un peu grand, il me semble que. Il y a plus petit, hein. Il me semble que moi ce que j'achète c'est du 3 ml, 5 ml, pas plus. Là vous avez les tubes et c'est vraiment, il y a franchement niveau rangement, bon là je vous montre les rangements, mais voilà, il y a tout, il y a les boîtes hein, aussi en carton, etc. Donc franchement là, niveau bijoux, là pour la création de bijoux, vous avez vraiment de tout. Ce site est top, par contre il y a tellement de choix. C'est un petit peu dur de chercher. Hein. Regardez, 1551 résultats rien que pour ça. On n'est que dans chaîne, filet. On n'est pas dans les perles et tout. Donc, voilà, les perles, on est à 2182 résultats. Donc, vraiment au top. Cette boutique, par contre, les frais d'envoi. C'est un peu dommage, quoi. 200 euros là pour que ce soit gratuit. C'est excessif. Bon, après, comme c'est un grossiste, normalement, c'est vrai que c'est des gens qui achètent en gros, mais bon. S'ils veulent vendre détaillant, 200 euros, là, ça va trop loin. Bon. Donc, voilà pour le site Panda Hall, enfin la boutique en ligne. Donc, maintenant, regardons ce que j'ai choisi. Donc voilà pour la présentation de la boutique. Si vous ne connaissiez pas, hein, je sais que c'est le deuxième partenariat avec eux. Enfin, je suis en train de parler de partenariat, mais ça se trouve, c'est pas eux. Hein. Ça se trouve, c'est c'est des colis AliExpress qui arrivent parce que j'ai eu la surprise d'avoir, par exemple, ma résine que j'attendais depuis 6 mois. Enfin, je m'étais fait rembourser qui a atterri 6 mois plus tard. Donc, il est possible que ce soit les colis que perdus, mais ça m'étonnerait vu que ça a été expédié le 24 février. Donc, et c'est arrivé le 7 mars. Ça a été rapide. Hein. Il me semble que j'avais fait, qu'on m'avait contacté un peu vers, je crois, vers la mi-février, un peu avant la mi-février. Donc le temps d'expédier, etc. Je trouve que c'est assez rapide. Ça peut être que c'est très bien emballé. Vous avez peut-être un petit peu surpris par mon choix cette fois. Vous allez voir que c'est en rapport avec des hauls AliExpress que j'ai filmé mais que j'ai toujours pas posté. Je sais pas quand je vais les poster. Je sais pas, en ce moment je poste pas du tout mes hauls AliExpress. J'en ai tellement de retard en fait qui dataient déjà de l'été 2021 que j'ai toujours pas posté. Et du coup c'est vrai que je prends de plus en plus de retard.
Alors, c'est hyper bien emballé, comme vous pouvez le voir. Hein. Désolée pour tout ce bruit de scotch. Hop. Et voilà. Et ben, et ben. Pourtant, il n'y a rien de fragile, il me semble. Enfin, je me souviens plus vraiment de ce que j'ai choisi. Allez, on y arrive. Donc, pour commencer, par quoi commencer? Allez, on va commencer par ça. Alors, ça a été très sympa, c'est que quand j'ai fait mon choix, il y avait des promotions. Et il y avait des promotions vraiment hyper, hyper intéressantes, dont ça. Donc là, le prix que je vais vous afficher, c'est le prix qui n'est plus en promo, parce que c'était une promo... En fait, ils font des espèces de promos... comment dire, qui durent pas très longtemps en fait. Ce sont des promos d'une journée de, enfin ouais, ça doit être ça, une ou deux journées, je sais plus quoi. Et donc il restait une journée dans de promo sur ce produit et il était affiché à même pas 50 centimes, alors que normalement il était à 7 dollars et des poussières. Et le temps que je leur réponde, etc., parce que j'ai un problème avec la consultation de mes mails, moi. Ben, ils n'étaient plus en promo et donc j'ai dépassé le budget. Mais comme il était déjà dans ma liste, ben, ils m'ont accepté quand même. Ils ont dit que c'était pas grave. Donc, alors. Par contre, je me suis rendu compte qu'après que ce que j'avais choisi. J'ai du mal à ouvrir. Hein. Donc, toujours dans ces petites boîtes de rangement que j'apprécie. Au moins, les produits, ils arrivent toujours bien emballés, mais surtout... pas cassé. En fait, ces petites fleurs, vous voyez, ce sont des petites fleurs comme ça. Je crois qu'il y en a 20. Je crois que c'est écrit quelque part à chaque fois, mais j'ai oublié. Non, il y a écrit une boîte et je crois qu'il y en a 20. Alors, au début, je me suis dit, ouais, ça va pour 50 centimes. Quand j'ai vu que la promo était finie, j'ai vu 7 dollars ou je crois que c'était un truc comme 7 dollars. Je me dis, mais 7 dollars pour ça, c'est super cher. Mais en fait, c'est parce que j'ai cru que c'était des fleurs en papier. Et comme vous pouvez entendre au bruit, ce n'est pas du tout des fleurs en papier. Ce sont des fleurs en résine. Et c'est pour ça, au début, quand j'avais vu 50 centimes par pièce, j'avais pas tilté. Je me suis dit, oh oui, c'est un prix correct. Même pas 50 centimes, je crois. Hein. Et là, les chats ont sauté sur la table, désolé. Et en fait, non, c'est des perles. C'est des fleurs, des perles de... Enfin, ils appellent ça des perles, fleurs de perles, ou je sais pas quoi, enfin, bref. Mais ce sont des fleurs en résine, donc, pour la création de bijoux, etc. Et j'avais pas tout de suite vu que c'était de la résine, je pensais vraiment que c'était du papier. C'est ça que la première réaction, c'était 20, ça fait pas beaucoup. Et en fait, quand j'ai vu que c'était pas de la... C'était de la résine, bah finalement, c'est vraiment pas mal. Donc il y avait une super promotion, ils étaient à 50 centimes et en fait ils font ça souvent. Il y a des promos comme ça sur certains produits et ils apparaissent à moins 90%. Donc c'est le moment de les acheter. Donc il y a plusieurs couleurs, il y a des verts, du orange, du jaune, du violet, du bleu et du rouge. Ça manque peut-être un petit peu de rose, mais je crois qu'il y avait différentes couleurs et celui-ci... Moi j'aimais bien, justement ça nous change un petit peu. Mais voilà. Mais au début j'ai cru que j'avais choisi du papier. Donc on n'y est pas du tout. Donc voilà pour ce premier produit. Ensuite j'ai pris un kit résine. Ça fait longtemps que j'avais pris des petits kits résine. Hop. Donc ce kit comprend. Alors, je l'utiliserai pas pour la résine. C'est en plastique. Ça, c'est pas bon pour la résine. Je vous les déconseille d'utiliser des trucs en plastique parce que la résine, après, elle colle, etc. Alors que quand vous utilisez des moules en silicone, l'avantage, c'est que ça se défait tout de suite du silicone et vous pouvez le nettoyer. Parce que là, si j'utilise pour la résine, ça finira à la poubelle. Enfin, sauf si je mets le produit A par exemple et le produit B, mais pas de mélange à l'intérieur directement parce que si ça durcit dedans, ils sont fichus. Donc ça, c'est pas ce que j'utiliserai pour la résine. Ensuite, bah, nous avons des pipettes, franchement je les utilise pas.
dans la résine, même chose, c'est en plastique, c'est pas terrible en fait quand vous faites. Le produit n'est pas si liquide que ça pour que ça monte facilement et que c'est tout. Moi, je trouve que c'est pas top. On a des protège-doigts que j'ai utilisé une fois dans une des vidéos et ça a été c'était une cata en fait. Moi, ça sert, c'est désagréable. Au final, j'avais les doigts qui collaient, les mains qui collaient parce que j'ai tendance à faire comme ça. Et puis, si vous en avez de la résine sur les mains, bah, sur les doigts, vous avez de la résine sur les mains. Donc ça aussi, c'est pas terrible. Et on en vient aux moules. Donc il y a 3 moules. Ouais, c'est ça. Je croyais qu'il y en avait un peu plus. Je croyais qu'il y avait 4 moules. Bon, vous avez toujours le bon de commande. Alors, que je regarde bien sur la photo. Je sais pas, sur la photo ici, on voit rien. On voit absolument rien. Mais il me semblait qu'il y avait plus que 2-3 moules. Mais c'est pas grave. Alors, donc c'est pour faire des petites bouteilles, donc en résine. Je vous montre une photo parce que difficile là de vous montrer le résultat. Et il y a donc différentes possibilités. Donc vous voyez, ça se démonte complètement. Donc première possibilité, c'est de faire juste la bouteille. Bon, je ne sais pas trop comment. Non, ça non. Je sais pas, ça doit se mettre. Je sais pas trop comment le mettre. Bref, en tout cas, juste la bouteille comme ça, avec des éléments décoratifs, et ça vous fera une petite bouteille décorative. Ou justement, ou le mettre avec donc ce petit truc. Et ça, en fait, ça va permettre de créer une shaker. Donc là, comme ceci, et là, vous fermez. Enfin, je vois pas trop. Pas trop comment faire pour le moment. J'ai jamais utilisé ce genre de truc. Et là, c'est pour faire le bouchon. Donc là, vous avez le premier flacon, donc un peu. Oui, il y a un chiffre, il y a écrit 4. Donc est-ce qu'il est censé y avoir 4 moules? Dans ce cas, il en manque un. Je sais pas. Donc voilà pour le premier moule. Le deuxième moule, donc c'est toujours la même chose. Les petites bouteilles. Et là, il y a un 2. Le 2, il est là sur le bouchon. Donc là aussi, il y a un 2. À moins que c'est juste pour qu'on sache quel bouchon va où, je ne sais pas. Donc même chose, hein, on n'est pas obligé de le faire comme ça, mais on peut le mettre comme ça pour avoir une bouteille creuse et on va pouvoir faire ensuite y mettre du liquide pour faire une shaker. Donc là, c'est cette forme. Enfin, de toute façon, on verra en photo. Donc, comme ceci. J'ai hâte de découvrir, et là c'est le bouchon. Franchement, je n'ai jamais fait. Peut-être qu'on peut aussi. Bon, je sais pas. Pour faire juste l'intérieur, mais il n'y aurait pas d'intérêt. Donc voilà pour celui-ci. Et le dernier, petite bouteille. Hop, hop, hop. Ça peut être aussi intéressant, moi je pense au shaker, mais ça peut être intéressant aussi pour faire tout simplement des petits flacons pour y mettre par exemple quand on veut faire des envois, des petites paillettes, etc., les sequins et tout qu'on envoie. Donc dernier moule, celui-ci n'a pas d'intérieur par contre pour bloquer. Peut-être en y mettant une bille ou un truc comme ça pour essayer d'avoir un intérieur. Pour avoir un fleur, mais là voilà. Donc là il est simple, il y a déjà le bouchon dessus, enfin le bouchon ça fait petite bouteille de parfum. Donc, voilà pour le dernier. Mais je sais pas pourquoi, il me semblait qu'il y en avait 4 de base, mais bon. Donc voilà pour ce petit kit. Ensuite, j'ai pris des petites perles. Donc il y en a quand même beaucoup dans cette boîte, je ne sais plus combien, je vous mets. Donc toujours de la marque Panda Hall Elite, et toujours dans des boîtes. Franchement, quand ça arrive comme ça dans des boîtes de rangement, c'est trop du bonheur. Donc. Hop.
crois qu'il y a un truc comme 600 et quelques perles, voire même 1000. Ils étaient en promo, pareil, quand j'ai choisi. Le temps de leur répondre et tout, de leur confirmer mon adresse, parce que c'était plus en promo. Mais bon, ils ont quand même accordé, ils ont quand même validé, ils avaient déjà validé mon choix, et j'avais pas dépassé de mon temps, donc c'est pour ça qu'ils m'ont quand même accordé. Mais voilà. Donc là, les perles sont très jolies, elles sont petites, hein, ça est 1 cm, je crois. Hop. La boîte est hyper solide. Hein. Franchement, quand on voit le prix et la boîte est comprise dedans, c'est top. Hein. Hop, il faut faire attention. Donc là, elle n'est pas cassée, il faut juste le remettre en place quand ça tourne. Donc ce sont des petites perles comme ceci là. Je pense que vous en avez déjà vu plein tourner. J'en ai également, mais j'en ai des à couleur unie, c'est-à-dire que c'est blanc, rose, vert, etc. Que j'avais acheté sur Ali. Et là, je les ai prises justement pour leur couleur comme ça. En dégradé. Vous avez plein de couleurs différentes, elles sont déjà rangées, donc ça c'est top. Voilà pour les perles. Ensuite, j'ai pris un kit simili cuir. Donc pour faire des boucles d'oreilles en simili, normalement, hein, c'est le kit est fait pour ça. Mais moi, c'est pas pour faire des boucles d'oreilles. C'est pour faire des petits nœuds. Donc en fait, ça va être l'anniversaire de ma nièce en juin. Hein, donc j'ai le temps. Et vous allez voir que j'ai commencé à faire des achats sur AliExpress en rapport avec son anniversaire. Et donc là, j'avais commandé du simili cuir sirène. Et il est super joli, il est pailleté. Alors, est-ce que ça va se voir? Je ne sais pas si les reflets se font. On a un joli soleil aujourd'hui, mais je ne sais pas si ça se fait correctement. En tout cas, il est pailleté. Et j'adore. Donc là, il est très beau. Mais à la lumière, il est encore plus beau. Les paillettes ne se voient pas, je crois. Et donc, on a des feuilles A4, comme ça, de 6 mm. Et je voulais en faire des nœuds, tout simplement, pour en faire des serre-têtes. Mais j'ai envie de tester la découpe sur ma machine de découpe et voir si je peux en faire des bijoux. Donc je ne sais pas combien il y a de feuilles de 6 mm. Elles sont toutes pailletées, hein. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer. On est sur la troisième, quatrième. J'essaye à chaque fois de vous montrer les paillettes. Il y en a 6. L'effet est super joli. Et la dernière, ah, j'adore. J'adore la couleur, elle est trop jolie celle-ci. Donc là, 2, 3, 4, 5 et 6, ouais, c'est ça. Donc il y a 6 feuilles de simili cuir, hein, donc en sirène, et avec, vous avez donc des attaches pour les boucles d'oreilles, en argenté, bronze et doré, ouais, c'est ça, pardon, argenté, bronze et doré, ainsi que des anneaux, dans leur petite boîte de rangement également. Alors je ne me prends pas la tête à essayer de retirer là pour le moment. On verra ça plus tard. Donc voilà pour ce kit. Et c'est pour ça que j'ai pris des perles comme ça. Vous voyez, pour aller avec en fait. Pour faire avec des porte-clés sirènes. J'ai acheté des moules pour ça. Et je me suis dit, quand j'ai vu les perles, je me suis dit que ça irait très bien. Et les petites bouteilles, c'est pareil, c'est pour essayer de faire des petits porte-clés. Après, je vais voir en fonction de la taille des bouteilles, parce que c'est quand même assez grand, en fait, à part la toute petite, là. Pour peut-être décorer, voir si j'arrive à faire un petit comment on appelle ça
Vous savez, les bouteilles où on a des plantes à l'intérieur, là. Je ne sais plus comment on appelle ça. Donc, le but c'était ça, de voir si je pouvais mettre. Pour essayer de faire des petites bouteilles décoratives sur le thème de l'anniversaire, etc. Donc là, 2, ça va là. 4. J'ai pas vu le numéro de celui-ci. Je pense que les numéros, c'est pour aller. C'est pour retrouver les bouchons plus facilement, savoir lequel va avec lequel. Mais comme vous voyez, il y a 2, 4. Donc il me manque le numéro 3. Je me dis, je pense qu'il y avait 4. 4 flacons et non pas. Ouais, je ne sais pas. En tout cas, ici, j'en ai 3. Bref. Et donc, le dernier article que j'ai choisi. Donc, c'est celui-ci. Alors, désolé, j'ai mis. Hop. Donc, c'est du vinyle thermocollant ou flex, comme ça qu'on l'appelle. Il y a une quinzaine de feuilles, il me semble. Voilà, donc là, ils sont holographiques. Elles font 30 sur 25, je crois. De toute façon, je vous mets toujours toutes les références, les liens des produits, etc. Hein, ainsi que le code promo, comme c'est un partenariat. Et j'avais envie de tester. Donc là, je vous montre rapidement, il y a beaucoup de reflets là. Les couleurs. Et on verra bien s'il est de bonne qualité. D'habitude, j'achète celui d'Action, mais Action, enfin, j'en ai plein de chez Action, mais il n'y a pas énormément de choix de couleurs chez Action et de modèles différents. En fait, c'est toujours la même chose. Donc là, quand j'ai vu, je me suis dit, tiens, et si je testais leur thermocollant? Voilà, et normalement, il y en a 15. Donc, ça fait pas mal de feuilles à tester. Je vais pas tester toutes les feuilles, hein, forcément. Déjà, je voudrais voir si ça se découpe bien avec ma machine. Ensuite, le maintien sur le tissu. Je verrai bien quel projet je vais faire avec. Au début, je me disais que j'allais faire un simple t-shirt, mais je pense que je vais plutôt faire autre chose. Et donc, pareil, hein, vous voyez, j'ai pris holographique, etc. Je voulais voir ce que ça allait donner pour faire. Pour ma nièce, on fait d'habitude l'an dernier pour son anniversaire, on avait fait des t-shirts sur le thème des princesses, etc. pour chacune des invités. Et cette année, ma soeur, elle n'est pas sûre de vouloir faire des t-shirts, elle m'a dit qu'elle veut faire des casquettes. Alors on va voir pour faire les casquettes. Mais c'est pour ça que j'ai pris cela parce que j'aimais beaucoup. Voilà, c'est cet effet holographique et irisé sur certains comme ça. Je me suis dit que ça, ce serait parfait, ce genre de feuille pour faire sirène sur le thème et tout. Après, il faut que je teste. Donc voilà pour mon choix chez Panda Hall. Panda Hall Selected. Panda Hall Select, je ne sais pas comment on dit. Bref, chez Panda Hall, de toute manière, Panda Hall ou Panda Hall Select, c'est la même boutique, hein, je vous l'ai dit. Et maintenant, il n'y aura plus qu'à tester tout ça. J'avoue que j'ai hâte de faire de la résine là, avec ces petites bouteilles et de tester, voir ce que ça va donner. Et donc de tester le reste. Ça, c'est vraiment très sympa. Mais vraiment, au début, comme j'avais vu 50, je crois que ça coûtait 50 centimes, j'ai vraiment cru que c'était du papier. C'est après, quand j'ai vu que la fin des promos, que c'était passé à 7 $, que là, je me suis rendu compte que c'était la résine. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est super joli. Par contre, du coup, le projet que j'avais en tête sera différent. Parce que j'ai pas envie de gaspiller ça. C'est extrêmement joli. Donc voilà. Voilà pour cette sélection de produits. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!